Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de 100% Challenge. Aujourd'hui, nous allons à la découverte des savoir-faire et de l'enthousiasme qui s'exprime au sein d'une entreprise pionnière. Depuis 20 ans, en effet, les équipes de DryMix innovent pour fournir aux professionnels du bâtiment et aux adeptes du bricolage des solutions visant à leur faciliter le travail et le rendre plus efficace. Faciliter le travail et le rendre plus efficace compte aussi parmi les buts du projet de développement qui mobilise depuis plusieurs mois toutes les énergies au sein de cette filiale du groupe UBP. Au service du secteur de la construction pour Maurice et la région, ce projet est aujourd'hui sur le point de franchir une étape décisive. Regardez. La première production dans la région océan Indien de mortiers prêts à l'emploi est lancée par la compagnie DryMix en 1996. 20 ans après, la filiale du groupe UBP veut conforter sa position de pionnier dans la fourniture de certains matériaux de construction, à savoir les colles et les produits de ragréage, ce qu'on appelle à Maurice le crépissage. Pour cela, toutes les équipes sont mobilisées autour d'un projet de développement aussi innovant que challenging. Nous arrivons à une étape très importante de notre projet de développement. Ça fait maintenant 2 ans que nous avons démarré ce projet. On a amélioré la capacité de stockage de notre entreprise. Nous avons automatisé l'addition des additifs de nos produits. Tous ces additifs que nous mettons qui améliorent les caractéristiques de nos produits. Et nous avons maintenant attaqué la partie d'automatisation, de l'ensacheuse et de la palletisation. La vision derrière ce projet, c'est vraiment d'être capable de satisfaire le marché à l'île Maurice dans les années à venir, parce que nous pensons qu'il y a un gros potentiel de développement dans ces produits et aussi de satisfaire le marché régional. Afin de réduire les perturbations, l'anticipation s'est imposée dans tous les domaines, à commencer par les ventes. Avec ce changement d'équipement, il fallait qu'on puisse fournir le marché. C'est les contracteurs, les individuels, les quincailleries, mais aussi certains distributeurs pour des produits spécifiques. Or, pendant le changement d'équipement, il n'y avait pas de production. Donc, en amont, il fallait qu'on fasse une planification de chaque segment de clients, leur demande, pour cette période-là. Et à partir de là, de faire un stockage en amont, stockage et production en amont, pour qu'on puisse venir avec, pendant ce changement, livrer les clients en question. Parce que nous, on ne peut pas se permettre, pendant ce laps de temps, d'avoir une rupture de stock. Parce que les chantiers, les quincailleries doivent avoir leurs produits. Pour la distribution et le marketing, d'autres défis se profilent à l'horizon. Avec cette nouvelle capacité de production et de stockage, on va développer d'autres produits pour le marché. Et aussi, on va développer notre marché régional que maintenant, on est en train de livrer sur Mayotte et La Réunion. Mais on verra plus de possibilités de fournir ce marché-là. Sur la plupart des marchés, désormais, différentes normes s'imposent. Pour garantir leur respect, l'entreprise fait évoluer ses procédures de contrôle vers un système d'assurance qualité. Aujourd'hui, nous sommes capables d'afficher nos bons résultats pour nous dans nos bons sacs. Mais nous n'avons aucun organisme qui vienne certifier que nos bons résultats sont en conformité ou pas. Aujourd'hui, l'usine décide pour aller de l'avant avec l'accréditation auprès du Centre scientifique et technique du bâtiment, qui est un organisme français, donc pour effectivement améliorer le système de contrôle. Aujourd'hui, nous avons un laboratoire beaucoup plus grand, beaucoup plus spacieux, et notre laboratoire aussi est équipé avec une technologie de pointe qui est importée principalement de France et d'Italie. Pour qu'ils nous soient capables d'exporter nos produits, commercialiser nos produits, par exemple à La Réunion et à Mayotte, c'est très important qu'ils nous gagnent certification, accréditation du système CE2+. Cette accréditation implique pour tous une maîtrise des différentes missions. Au laboratoire, ça concerne aussi bien la recherche et le développement que le contrôle de la qualité. Les analyses sont effectuées à divers niveaux de la production. Première étape, contrôle au niveau de nos matières premières, c'est-à-dire de voir si nos matières premières correspondent à nos exigences développées au laboratoire. Deuxièmement, de voir si nos semi-finish, nos fractions, n'est pas contaminée avec des autres fractions pour, avant la production. Et troisièmement, de tester tous les produits finis d'une façon très systématique. Laboratoire, nous avons aussi une cellule de recherche et de développement qui permet de nous fabriquer des produits qui correspondent à l'exigence de nos clients,
tout en respectant les normes applicables et aussi en prenant en considération le climat où ça va être produit là pour être appliqué. Différentes compétences sont associées afin d'améliorer les recettes de ces produits mélangés. Les mix doivent répondre aussi bien aux besoins des prescripteurs que des utilisateurs. Leur élaboration s'appuie donc aussi sur des essais grandeur nature. On prépare des trials pour donner aux maçons qu'on a déjà à l'usine, le R&D Mason, pour qu'ils fassent des tests pour déterminer combien de temps le produit prend pour sécher, pour pouvoir travailler avec. Le même test qu'on fait là, dans 7 jours, on va faire des arrachements pour voir la force du produit. Des produits de plus en plus demandés pour améliorer la productivité sur les chantiers, c'est pourquoi la nécessité d'augmenter les capacités de production a été envisagée depuis plusieurs années. On savait qu'on allait arriver au top de notre capacité de production. Alors depuis 2013, on a déjà commencé à chercher comment augmenter la capacité et deuxièmement, surtout, moderniser. Et on avait investi un gros budget dans ce projet-là. Il fallait surtout rester dans ce budget-là. Qu'est-ce qui a été fait? Mais quand même, c'était un gros challenge. Alors quand même au niveau de la ressource humaine, c'était quand même un gros planning. Et surtout l'aspect sécuritaire du chantier. Pour commencer, il a fallu pousser les murs, ou plutôt les faire pousser. Il a fallu construire une unité de 2000 m², sol et étage, pour pouvoir accommoder les produits. Afin de mener à bien cette étape, il fallait des compétences pointues. Notre spécialité, c'est la préfabrication. Au tout départ, dans un mix, ils avaient un bâtiment existant, un store. Il fallait faire un autre store en forme de L. Et ils voulaient faire ça à un seul niveau, mais nous, on leur a proposé deux niveaux hein, en système de préfabrication. Et pour faire ce deuxième niveau-là, comme si pour soutenir tout ce poids-là, il fallait que ça puisse tenir 2 tonnes par mètre carré. Et c'est là le challenge, et il fallait renforcer tout ça avec des structures plus rapprochées. Et ce n'était pas évident, tu n'es pas pour le design, au niveau du design. Bien sûr, il y a l'usine de Dramix, il fallait rouler en même temps. Et à ce moment-là, il fallait faire ça en deux phases. Et la première phase, on a commencé. Et il fallait terminer la première phase pour que Dramix puisse rentrer dans la première phase et nous, on va dans la deuxième phase. Pendant ce temps et après un travail d'ingénierie des projets très avancés, les innovations et automatisations attendues se sont mises en place à travers l'assemblage de plusieurs machines. On a 4 équipements qu'il fallait accorder ensemble. Il y avait les 3 fournisseurs en même temps. De les ramener sur la même plateforme, alors ça a été un sacré challenge. Un autre défi consistait à faire en sorte que la logistique suive, ce qui veut dire aller bien au-delà des missions habituelles au niveau de l'administration. En temps normal, je fais toujours un peu de logistique, tout ce qui est outillage, pièces de rechange. Mais pour ce projet à grande envergure, il nous a fallu gérer toute la partie logistique de tous ces équipements qui venaient d'Autriche, d'Italie, d'Allemagne, de France, jusqu'à nos locaux ici à Maurice. Alors, après négociation avec les transitaires locaux, à un prix compétitif, il nous a fallu travailler en étroite collaboration avec ces derniers afin que tous ces équipements rentrent à Maurice dans les délais voulus et tout en essayant de réduire les coûts associés à une telle logistique. Il nous a fallu aussi gérer et coordonner l'arrivée des experts étrangers qui sont venus à Maurice pour nous assister au montage de ces équipements. Des opérations de montage que l'expérience de certains techniciens a largement facilité. Durant le chantier, et moi, mon agir comme quand même facilitateur. Depuis 18 ans qu'ils m'ont ici, on trouve pas mal de changements. On démarré en tant que pack opérateur. Ensuite, ça a évolué. On commence à travailler dans le control room comme opérateur. Et moi, je suis monté. Ensuite, je changé, mon suis production supervisor. Et à la longue, mon gain de responsabilité pour maintenant ceci. Une telle évolution de carrière pour Jean-Noël et pour d'autres salariés de l'entreprise devrait se poursuivre avec l'introduction des nouvelles technologies. Les nouvelles technologies, ça nous change beaucoup quelque chose. Moins de poussière, premièrement. Machine intelligente. N'importe qui faute qui diffère, il peut détecter, il peut marquer. Et nous, à ce moment, nous rendons ce programme, nous, et récupérons une faute-là, nous répétons le bouton. Avec nouveau équipement, et maintenant c'est une plus facile. Et parce que la machine-là, il est intelligent, il peut finir à nous, quand faut la trouver. Et nous, maintenant, pas directement, il faut la nous réparer,
Je crois bien à le passeport 4-5 chemin pour trouver. Tout le monde pour une formation et comment nous opérer la machine. Des formations s'imposent en effet pour amener les savoir-faire au niveau de la maîtrise des nouveaux outils. C'est indispensable pour atteindre les performances attendues et pour favoriser le développement de nouvelles motivations révélées par ce projet. Ce projet nous permet aujourd'hui de travailler beaucoup plus rapidement, beaucoup plus proprement, grâce à de nouvelles technologies, avec une automatisation complète de l'usine. Mais on a aussi remarqué aujourd'hui que nos équipes s'adaptent. On a aussi vu la volonté de travailler pour réaliser, pour réussir ce projet, en aidant les ingénieurs qui étaient présents. Et ils nous ont dit eux-mêmes, ils ont été bluffés parce qu'ils ont installé les équipements en un temps record. Bien plus qu'un nouveau départ, c'est donc bel et bien une nouvelle jeunesse que s'offre Drymix pour ses 20 ans. À 20 ans, Drymix grandit pour rester pionnier. Cette entreprise favorise ainsi l'évolution professionnelle de ses propres équipes et contribue aussi à faire évoluer les pratiques dans le secteur de la construction. 100% Challenge, depuis sa création, s'efforce en effet d'être la plus belle des vitrines des évolutions de l'économie mauricienne, non seulement sur les écrans de télévision, mais aussi par les médias sociaux. Vous pouvez en effet retrouver ce reportage dans son intégralité sur notre chaîne YouTube et une version plus courte sur le site web de notre partenaire ION News et sur notre page Facebook. En attendant de lire vos commentaires, je vous donne rendez-vous lundi prochain, même heure, même chaîne et même enthousiasme. Salut !